C'est Coluche qui disait ça, je crois qu'il fallait 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ben moi, il m'en a fallu 20, donc lâche rien. Alors, je m'appelle Alban Lenoir, j'ai 41 ans et je suis acteur. Départ de Dijon à 17 ans pour monter à Paris. À peu près 300 cachets de figuration. Une petite phrase par-ci, une petite réplique par-là. Alexandre Astier qui me donne la chance de tourner dans une dizaine d'épisodes dans Kaamelott. Son frère Simon qui reprend la main avec HeroCorp. Et ensuite, un Français qui a vraiment tout changé pour moi quand j'ai décroché ce rôle. On va dire que du jour au lendemain, la profession connaissait mon nom et ça changeait beaucoup de choses. J'ai dû quitter l'école, on va dire, un peu trop tôt pour être autorisé à arrêter tout parcours scolaire. Donc je me suis retrouvé à devoir faire un CAP vente. Et j'ai réussi à me faire embaucher dans un vidéoclub à Dijon qui s'appelait Planète Vidéo et qui ont été les meilleures années de ma vie où t'es payé à regarder des films. Donc c'était plutôt sympathique. On a écrit un spectacle avec Simon Astier qui a commencé un peu à nous mettre en avant et nous faire découvrir à la profession, au public. Alexandre Astier a vu ce spectacle-là et c'est là où lui est venue l'idée de me proposer un petit rôle dans Kaamelott. C'était vraiment un processus de longue haleine à essayer de gratter une petite réplique par-ci, une petite réplique par-là, puis un petit rôle. Et un autre rôle où à un moment il y avait une bagarre où on a voulu me doubler. J'ai dit tiens, je pense que je peux le faire. Puis ça s'est bien passé. Du coup, le Régleur Cascade m'a embauché sur d'autres choses. Et petit à petit... Je sais pas s'il a changé beaucoup de choses, mais en tout cas, il a permis de réaliser mon rêve. Pour le coup, vraiment mon rêve de gosse. Quand Guillaume est arrivé avec ce scénario, où je me suis dit, ça y est, c'est là. C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire, je l'ai sous les yeux. Il y a aussi beaucoup de réalisateurs qui sont, je vais me mettre dans des doses là, qui n'ont pas la capacité de mettre en scène ce qu'ils ont écrit. Guillaume, c'est l'inverse. Il va toujours réussir à monter le niveau de chaque scène. C'est pour moi, frérot. C'est plus une évidence pour moi dans le sens où ça change tout quand c'est l'acteur qui fait ses propres cascades, ce qui empêche le réalisateur de devoir parfois un peu tricher de cadre pour justement pas montrer que c'est une doublure. Que ce soit moi ou Guillaume, on est spectateur avant tout. On adore ça, on adore ce qu'on fait, on adore le cinéma et on raisonne toujours comme ça. Et moi, je me rends compte que la différence quand il y a l'acteur qui est dans chaque plan ou non, bah déjà rien que moi en tant que spectateur, ça me change quelque chose d'une implication avec le personnage. Et je sais que ça a joué sur le succès de Balles perdues dans la manière de Guillaume de travailler. Et de me mettre en scène, qu'on est constamment avec Lino et de ne pas le lâcher. Ça fait une petite différence. Sur le premier Balles perdues, on a vraiment plus travaillé en symbiose, ce qui était complètement le cas sur le 2, mais on se permettait plus de parler justement de chaque scène, de savoir comment on allait les faire, ce qui n'a pas du tout été le cas sur Balles perdues 2 parce qu'il n'y en avait en fait aucune utilité. Guillaume avait fait son premier film, j'avais pas du tout le même réalisateur entre le 1 et le 2, c'est-à-dire que j'avais vraiment un réalisateur confirmé, qui avait tout en tête, qui avait tout préparé, qui savait ce qu'il voulait exactement. C'est ce que recherche en tout cas tout acteur. Enfin ça y est, il a pris les clés de la voiture et nous on est passagers et c'était super. Le curseur, il a été accentué surtout. Déjà, le budget soit plus élevé a permis vraiment à nous et à Guillaume de mettre en scène ce qu'il avait en tête, ce qui était un peu plus compliqué sur le 1. C'est généreux, ça c'est le terme de Guillaume, c'est être généreux. Et là, pour le Balles perdues 2 est vraiment généreux par rapport au 1. Oui, plus avec le recul, mais c'est vrai que c'était la première baston qu'il y a dans Balles perdues 1, dans le commissariat. Même si c'était de la tape, c'était un épanouissement artistique pour moi de dire « Tiens, ça y est, tu as fait la baston dont tu rêvais, sans te faire doubler. » Avec Manu Landy, qui est le Régleur Cascade chorégraphe avec qui je travaille depuis longtemps. Et pareil, qui est un peu rentré dans la team Netflix, Inoxy, Rémi Lothier et Guillaume Pierret. De réaliser son rêve, il y a quoi de plus beau en fait? Plus pour la conduite, ce qui n'est pas le cas en physique où là tu te dis juste bon ben voilà, il y a des distances à tenir. Parfois comme en voiture, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, il y a des petits loupés. En voiture, je suis beaucoup plus concentré de peur de faire foirer le truc quoi. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte d'un point de vue sécurité, entre les techniciens, les voitures qui sont autour, la caméra qu'il faut pas que tu tapes devant. C'est incroyable, faut le vivre. Bah oui, je l'espère, et quand j'aurai plus cette motivation, fougue ou passion, je pense qu'il faut changer de métier, parce que tu deviens un con. Sur un plateau, je pense que tu ne peux que être porté par ta passion et ton professionnalisme, sinon je pense que tu deviens nocif pour beaucoup de monde. Bah lâche rien. Il m'a fallu 16 ans pour décrocher du jour au lendemain mon premier rôle. C'est Coluche qui disait ça, je crois qu'il fallait 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Bah moi, il m'en a fallu 20, donc lâche rien.